Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau numéro de Retour en Arrière. Cette fois, c'est la demande d'un abonné que je vais faire en la cartouche, en quelque sorte, de Michael Jackson's Moonwalker, sorti sur Mega Drive et qui a été proposé par Dark Wolf 10. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais appuyer sur Start. Voilà, j'ai donc One Player. Oui, je suis tout seul, donc nous allons faire One Player. Et c'est parti pour Moonwalker, qui est un jeu emblématique de la Mega Drive quand même. Enfin, personnellement, moi je trouve que c'est un des jeux emblématiques de la Mega Drive. Même, voilà, regardez-moi cette classe, avec la petite pièce qui tombe dans le jukebox, comme dans le film. Voilà, je regarde juste pour les touches, c'est bon, c'est parti. Donc le but, un peu comme dans tous les Moonwalker, puisqu'il y a eu plusieurs versions, c'est de sauver les enfants qui ont été kidnappés par le vilain Mr. Big. Scénario très poussé qui est tiré du film. Hein. Et donc, surtout, et c'est ça qui est vraiment la classe, on a la musique de Michael Jackson, Smooth Criminal en tête. Moi, j'adore cette chanson en plus. Et franchement, ça, c'est la classe. Hein. À l'époque, Sega a vraiment eu... C'était génial d'avoir pu proposer en fait un jeu qui mettait en scène Michael Jackson. Bon, après il faut savoir qu'il y a eu pas mal de versions de Moonwalker. Donc Sega en a... Ah voilà, j'ai déjà sauvé tous les enfants. Donc là, il y a Bubbles, le singe de Michael, qui va m'indiquer où je dois me rendre pour finir le niveau. Donc on suit ses indications. Oui, donc il y a eu plusieurs versions hein, du film, enfin pas du film, pardon, du jeu tiré du film. Donc il y a cette version méga... Non, j'ai cru qu'il allait avoir un petit bug, mais non, c'est bon, tout va bien. Donc ça fait office de boss, hein, en quelque sorte. C'est pas encore la fin... Le niveau étant décomposé en plusieurs parties, il y a... On va dire que c'est un mini-boss de la première partie, du premier stage. Voilà, là je suis au stage 1-2, tour dans le club. Et donc le principe est toujours le même, sauver les enfants. Ah, attention, il y a du monde qui arrive. On va d'abord se débarrasser de tout ce monde. Puis vous voyez qu'on peut ouvrir les portes, ce qui est bien entendu très utile, puisque des fois il y a des gamins qui sont cachés derrière les portes, mais là voilà, il peut y avoir des adversaires également, ou rien du tout. J'adore la classe avec laquelle il ouvre les portes, il se retourne comme ça, il fait son petit mouvement, c'est... Ah voilà, ça valait le coup de descendre, il y avait un gamin. Ouais, donc il y a eu la version arcade qui est complètement différente de cette version Mega Drive et qui pourtant est également... on la doit également à Sega. D'ailleurs, je vous la présenterai peut-être une fois. Là, on a la série des Batman à faire, mais... Donc... Ah, il commence à avoir des flingues, faire gaffe. Cette version arcade est très intéressante également. Je vous la présenterai certainement une autre fois. Je le garde dans un coin de ma tête et je ferai en sorte de vous le présenter parce que franchement, ça vaut le coup. En plus, c'est composé un peu du même style. Ça commence dans le club, ensuite il y a un niveau dans le cimetière. Michael peut se transformer en robot à un moment donné, un peu à l'image du film. Hein, Je sais même pas si on peut parler de film, puisque c'est relativement étrange. On va dire que c'est un concept. C'est très délirant. Il y a également eu la version Mega Drive. Pas Mega Drive, la version Mega Drive, on est en train de la faire. Il y a eu la version, pardon, micro. Voilà, je vais y arriver. Amiga, Atari, qui est très particulière, que l'on doit à US Gold, il me semble. Ça n'a rien à voir avec la version de Sega. Hein. Personnellement, si moi je dois tirer une version de tout ça, c'est les versions de Sega, que ça soit arcade ou même Mega Drive. Mega Drive, pour moi, c'est celle que je connais le plus parce que c'est celle que j'ai à laquelle j'ai pu jouer. L'arcade, je l'ai peu rencontré en fait de mémoire, mais j'ai pu le faire par le biais d'émulateurs. Ah, il y a toujours ce petit ralentissement. Je sais pas si c'est dû à l'émulation ou. Ouh, ça fait mal. Perdu. Ah. Bon, on va recommencer. J'ai encore des vies, fort heureusement. Allez, on remonte en haut. Faut savoir que
J'essaie maintenant, pour les retours en arrière, de ne plus jouer aux jeux avant. Vraiment, ça me permet vraiment de redécouvrir les jeux, ce qui est intéressant. Alors, je vais vous parler de la chaîne de Dark Wolf 10, puisque c'est lui qui a proposé ce jeu. J'ai certainement un peu me répéter par rapport aux autres, hein. C'est une très bonne chaîne. Enfin, moi, je trouve que ce qu'il fait est très intéressant. Il fait des vidéos très propres, très sympathiques, que je ne peux que vous inviter à aller voir. Je vous mettrai le lien, comme d'habitude, de la chaîne. Et ce qu'il propose est très intéressant. Il fait des vidéos sur différents jeux, il y a un peu de tout, c'est très varié, il y a des jeux qui sont plus axés pour les enfants, ce qui n'est pas un mal, personnellement, hein. Moi j'aime bien, hein. Des fois il y a des jeux pour enfants que je trouve très intéressants, même dans les jeux d'aventure, peut-être qu'un jour dans Retour en arrière par exemple je vous parlerai d'un jeu pour enfants. J'en ai quelques-uns en tête, hein, des jeux d'aventure destinés aux plus jeunes, qui sont pourtant très amusants à faire et à regarder. Alors, s'il n'y a pas d'histoire intéressante à raconter, par contre, peut-être que je les ferai plus dans un retour en arrière que dans un au cœur de l'aventure, mais ça, c'est mes recherches qui me le diront. Donc voilà, il fait de très bonnes vidéos, Dark Wolf, et je vous invite à aller les voir. Et à vous abonner à sa chaîne, parce que franchement, il le mérite. Et j'ai plaisir à aller voir ce qu'il fait. Et j'espère que ça en sera de même pour vous si vous vous abonnez à sa chaîne. Et un grand merci à lui d'avoir proposé ce jeu, donc, qui est une excellente idée, un excellent retour en arrière, qui nous met en plus avec la musique de Michael Jackson, ce qui est vraiment un plus indéniable, et un excellent jeu de la Mega Drive. Ça, personnellement, moi, je trouve ce jeu génial. Et avec des petites synthèses vocales de Michael, les petits cris qu'il fait, les petits Michael des enfants. Non, franchement, le jeu est une excellente, je vais pas dire adaptation du film. Ah mince, ça marche pas comme ça. Ça aurait été trop beau. Je commence un peu à perdre. Bon, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout de ce niveau. Et je pense que c'est la dernière partie du niveau 1, de toute façon, donc ça va nous amener au bout. Donc oui, n'hésitez pas, allez vous abonner à la chaîne de Dark Wolf. Et donc je le remercie encore énormément pour cette... Ah, ça va être... Pour ce choix, donc. Désolé. Des fois... Ah, voilà, j'ai réussi à débloquer l'escalier. Eh hey, oh! Je suis Michael Jackson! Pourquoi tu me tapes? Tiens! Eh voilà! le coup qui est tombé à plat! Je n'ai plus de magic! Tiens, prends la chaise! Michael! Là, il reste un gamin, mais je ne sais pas où il est. J'ai dû louper une porte un moment, peut-être. Faire gaffe. Allez, ce serait bien d'essayer de finir le niveau. Ça permettrait d'avoir vu tout le premier niveau, ensemble. Tiens, je vais en profiter. Je sais pas si vous avez vu Moonwalker, le film. Donc, encore une fois, si on peut parler de film. Donc, je serais intéressé de savoir ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de Moonwalker dans les commentaires. Voilà, ce sera l'occasion, puisqu'on parle de Michael Jackson. Le regretté, malheureusement, Michael Jackson. On pourra dire tout ce qu'on veut sur ce qui a été dit sur lui, ça reste quand même un gars qui a fait des tubes qui restent encore dans les mémoires à l'heure actuelle. Alors là, je ne sais pas où est le gamin manquant. Ah ! Il est caché derrière un pot de fleurs ou quoi ? Je peux pas taper le pot de fleurs.
Ah oui, on peut ouvrir les fenêtres. Ah bah attendez, ça change tout. Eh oh, saleté de chat. Non, je parlais pas à mes chats. Ah voilà, ils étaient derrière une fenêtre. Ah, c'est malin ça. Who's bait? Ok. Non, il indique qu'il faut aller vers le haut, donc on va aller vers le haut. Ah super, je vais pouvoir finir le niveau comme ça. Et c'est là, ok. Donc ça c'est Mr. Big, comme d'hab, il vient me narguer et il va voir... Ah, non, là c'est un vrai boss. Puisqu'il y en a qu'un. C'est un ennemi un peu plus résistant que les autres. Ah bah oui, mais... Et voilà, nous avons fini. On a un peu traîné sur cette troisième partie, désolé. Ah oui, excellent ça. Who's bad? Voilà. Et bah voilà, c'est sur ça qu'on va se quitter. On va arriver au deuxième round. Et on va avoir de la musique sympa, je pense. Ah oui, excellent. Ah ouais, beat it. Ça c'est bien pour finir. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Dark Wolf 10 si ça... Bah déjà si ça vous a plu, c'est son choix quand même, Moonwalker sur Mega Drive. Et ce qu'il fait est également très bien, je vous le répète, donc n'hésitez pas à aller le voir et à vous abonner. Donc nous, on va se retrouver la prochaine fois, on va retourner sur Batman. Vous allez voir les versions que je vais vous présenter. Là, je suis en train de me faire défoncer par le chien. Allez. Et ben voilà, donc on se retrouve la prochaine fois pour un Batman sur un support que je vous laisserai découvrir. En attendant, prenez bien soin de vous, surtout jouez bien et à la prochaine. Ciao.